Ah, bonjour. Bienvenue, jeune prépubère. Assieds-toi. Tu as toujours rêvé de pouvoir te balader dans un costume en stretch bleu turquoise sans avoir l'air ridicule? Tu as toujours rêvé de pouvoir voler au-dessus des villes? Mais pour de vrai cette fois, pas comme quand tu prends tes substances illicites qui te rendent complètement high? Tu as toujours rêvé de passer ton temps à taper de la gentille et à taper du méchant? En bref, tu as toujours rêvé de devenir un super-héros? Avec moi, c'est possible. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à devenir un super-héros respecté de tous. D'abord, il faut que tu saches que la vie de super-héros n'est pas si facile. Car dans super-héros, il y a super, certes, il y a héros aussi, mais il y a surtout un tréma entre les deux. Et sauras-tu le franchir? Un super-héros doit bien faire son travail, mais il faut pas prendre non plus les oies sauvages pour des pigeons voyageurs. En effet, le super-héros n'est pas bénévole, et vu que le crime ne paie pas, il faut bien se rembourser. Vous en faites pas, jeune donzelle. Je m'occupe de ce malotru. Fuyez tant qu'il est encore temps. Merci, monsieur Super. Et mon sac? Ne vous en faites pas, je vous ai dit. Il va le payer. Alors, t'as combien? 50 euros, je crois. 50 euros? Tu te fous de ma gueule? Ce matin, Johnny Larceau, il m'a ramené 400 sacs. T'aimes bien la déconne, toi? Pas trop, les temps sont durs. Tu vas voir si les temps sont durs quand je te ratomise à la moucraine à coups de rayon gamma. Tu connais la stratosphère, toi? Parce que moi, d'un coup de pif, je t'envoie la visiter. Ok, patron, ok, ok, patron. Faut se reprendre, petit, là, faut se reprendre, là. Allez, fous-moi le camp. Eh oui. Il faut se méfier des apparences. Les super-héros sont avant tout des hommes faillibles, comme nous. Eux aussi ont des problèmes de fin de mois, comme nous. Et eux aussi, parfois, cherchent du travail. Et n'en trouvent pas. Entrez! Bonjour monsieur. Vous êtes en retard, monsieur Super. Ah oui, excusez-moi, j'ai eu un problème au décollage. C'est où? Je vous ai apporté mon curriculum vitae comme convenu. Merci bien. Alors, quelles sont vos compétences? Bah écoutez, j'ai des grosses qualifications au niveau du sauvetage veuve l'orphelin. Alors... Laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur Super. Les super-héros, on en a 40 dans la société. Moi, ces cas sociaux, je n'en peux plus. Hein, ils nous coûtent un fric fou en mutuelle. Y'en a marre. Non, mais j'ai des vrais super-pouvoirs. Disons que j'ai rayon gamma. Oui, on a déjà. Je vole à une vitesse subluminique. Je vole à 3000 pieds. J'ai un point d'acier, hein, de golden point. Voilà, je pense que je pourrais apporter beaucoup à votre société. Mon profil est assez atypique. Faites voir votre profil. C'est bien. Et je pense que vous devez me donner une chance. Oui, bah on vous rappellera. Non, monsieur, je faut vous m'aider. Oui, bah on vous rappellera. J'ai besoin de cette Merci, à bientôt. Suivant. Au revoir, j'attends de vos nouvelles. C'est ça, ouais. Et quand tout fout le camp, que rien ne va plus, le super-héron pète un boulard. Et je peux te dire, c'est pas beau à voir. Hé, t'es mignon, toi. J'aime bien les petites gonzesses comme toi, hein, tu sais. Oui, merci. Oui, c'est très bien. T'aimes bien mon costume? Oui, très joli. Elle est jolie, hein, tu touchais? Non, ça... C'est du lycra. Merci. Bon. Bon, ça va, il va nous les briser longtemps encore, lui. Mais tu sais pas qui je suis, moi. Mais je suis un ouf, je suis une machine, je suis un killer, je bois de l'eau de Javel, moi. C'est qui je suis, moi? Je suis Superman, ouais. Sur Kryptonite, ma planète. Je suis aussi connu comme Alain Delon. Mais t'es surtout un grand naze, ouais. Merde, vous faites tout chier, et puis je m'en fous. Avant d'être une légende, le super-héros a aussi été un enfant. Lui aussi a eu des crises d'acné, des éjaculations nocturnes. Trop de troubles, trop de désillusions dans une vie. Le super-héros aussi déprime, et le super-héros aussi a besoin de repos, d'énormément de repos. Vous savez, monsieur Super, votre cas m'inquiète. Il faut vous reprendre. Ouais, c'est ça, je m'en fous de ma mère. J'en ai plus rien à foutre, j'aurais de crever. Vous faites tout chier. Bah t'es là, toi. À toi. Ok.
Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, je suis pas bien, je suis bête au bout du rouleau. Je suis bête stressé, je suis bête cassé que vous voulez, mère. J'en ai bête, mère. Ouais. Ouais. Mon fils. C'est dur. Ah, c'est bête relou, j'en ai ras-le-bol. C'est horrible. Ils sont dégueulasses, tout le monde s'en fout. Ouais. Passe-moi le bat pif. Bat merci. Bat de rien. Eh oui, je t'avais prévenu, la vie de super-héros n'est pas de tout repos. De quoi y réfléchir à deux fois? Tu as toujours envie? Eh bien, c'est chez toi, à tes risques et périls. Mais une chose de sûre, ne me remercie pas. Te donner du baume au cœur dans ta vie morne et triste, pathétique, c'est ce qui me rend le plus heureux. Et avant de partir, rappelle-toi bien, tu es une star, mais tu ne sais pas.